Est-ce qu'il t'arrive de te sentir épuisé, fatigué par les efforts que tu mets pour rentrer dans le cadre? Rentrer dans le cadre, c'est quelque chose qu'on a appris, qu'on a été en fait conditionné à pas prendre trop de place, à faire attention à ce que tu dis. Faut que tu sois bien mise pour être aimée, acceptée, accueillie, pour ne pas déranger surtout. Est-ce que tu peux vraiment t'exprimer librement? Est-ce que tu peux vraiment dire toutes tes idées? Est-ce que tu peux être dans la folie que t'es? Est-ce que tu peux être qui tu es réellement? Ou bien tu rentres dans le cadre. Tu rentres dans le conditionnement qu'on t'a appris, que tu as appris, puis que finalement que tu as acheté comme argent comptant parce que c'était ça. Est-ce que tu es prête à rebouger tout ça aujourd'hui? Est-ce que tu es prête à prendre conscience des moments où est-ce que tu justement tu rentres dans le cadre puis que ça te rend tellement épuisé de rentrer dans le cadre que finalement, là, maintenant, on choisit autre chose. Alors, je m'appelle Hélène Benoît, coach éveilleuse à la magie d'être soi. Être soi sans justement tous les conditionnements, les résistances, les blocages, tout ce qui t'empêche d'être réellement toi. Et si justement être toi n'était pas de rentrer dans un cadre? Puis là, je ne dis pas de ne pas avoir de structure ou de ne pas avoir de planification. Mais de rentrer dans le cadre qu'on t'a imposé ou d'en rentrer dans le cadre dans lequel on t'a appris, mais que pour toi, ça ne fit plus, ça ne convient plus. Est-ce qu'on te dit de faire attention pour ne pas être trop énergique? Est-ce qu'on te dit de faire attention à ne pas parler trop fort? Est-ce qu'on te dit de faire attention à justement pas laisser éclater toutes tes émotions? Ou bien même de dire: faut que tu te places comme faut que tu tiennes bien, puis il faut pas que tu prennes trop d'espace. Est-ce qu'on te dit aussi qu'il fallait pas être trop extraverti ou bien trop introverti, trop timide ou pas trop isolé? Il faut que tu fasses partie de la gang, il faut pas que tu sois trop ou pas assez. Est-ce que toi, encore aujourd'hui, tu es dans cette résistance d'être toi? Est-ce que toi, encore aujourd'hui, tu es comme un pilote automatique dans le cadre dans lequel tu as appris, puis que tu t'es jamais reposé de question, savoir, ça me convient-tu aujourd'hui? Ça fait-tu pour moi maintenant? Est-ce que je suis réellement moi quand je suis dans cette situation-là? Alors, je te mets juste prise de réflexion, je te mets au défi, justement, au défi, oh oui, au défi de te challenger toi-même, de dire: est-ce que je suis réellement moi dans toutes les sphères de ma vie? Alors, identifie les sphères de ta vie ou les situations où est-ce que justement tu joues petit, tu rentres dans un cadre, tu deviens plus toi-même en fait. Tu fais attention à ce que tu dis, comment tu le dis, tu marches sur des œufs, tu te mets pas habillé trop coloré, exemple. Et si tu étais tellement réellement toi et vraiment toi, est-ce que tu t'habillerais comme tu t'habilles présentement? Est-ce que tu aurais la coupe de cheveux comme tu as présentement? Est-ce que tu te permettrais pas d'avoir les cheveux multicolores ou toutes sortes de couleurs, d'avoir les cheveux courts, d'avoir les cheveux des pics des heures? Si tu étais réellement toi, comment est-ce que tu serais sans justement la rigidité du cadre dans lequel tu as été éduqué, tu as appris, puis que finalement, toi, tu as choisi de te protéger pour justement, pour être aimé, accepté, accueilli. On a des comportements justement de rentrer dans un cadre pour faire partie d'un clan, faire partie de la gang, faire partie, pour justement pas faire d'éclat, trop d'éclat, pour limiter ta lumière, pour limiter ton rayonnement, pour pas déranger. Mais est-ce que tu crois que le soleil, lui, il y a des jours qui rayonnent moins que d'autres, qu'il y a des jours où est-ce qu'il est moins lumineux que d'autres? Et si toi, tu pouvais être tout le temps lumineuse, tout le temps lumineux, tout le temps dans ton rayonnement? Alors, je te pose la question, savoir dans quelle situation ou dans quelle sphère de ta vie, où est-ce que tu es soit caméléon, tu es soit justement pris dans un cadre figé, où est-ce que ça t'épuise?
tellement que tu mets d'efforts pour rentrer dans ce cadre-là. Prends quelques instants, juste pour y penser. Dans quelle situation ou dans quelle sphère de ta vie et où, quelle sphère de ta vie, est-ce que tu te sens figé, pris? Ouais, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Ouais, mais comment ça va se passer si je sors du cadre? Si je suis réellement moi, comment est-ce que ça va se passer? Peut-être que tu as peur. Peut-être que tu as peur de ce que les autres vont dire, mais peut-être que tu as peur aussi de comment ça va se passer. Mais ferme tes yeux, puis fais juste comme, hey, sans cette rigidité-là, sans ce cadre-là que j'ai autour de moi, parce que c'est ce que j'ai appris, hey, je suis donc bien légère. C'est donc bien fun comment je peux me sentir. Puis fais juste l'imaginer, là. Je ne demande pas de prendre action, je fais juste te dire, fais juste imaginer, là, toi, là, sans être pris dans ce cadre-là, puis des fois, c'est des mots qu'on n'ose pas dire, c'est une communication, c'est de se retenir de qui on est réellement, mais qui on peut, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut être. Oh, mais là, je ne suis pas pourri dire ça, parce que là, moi, c'est ma vérité, mais ça va le déranger, l'autre personne. Combien de fois on retient des mots, combien de fois on retient son énergie, combien de fois on retient son éclat de lumière pour justement rentrer dans un corps. Alors, je te dis, l'exercice, moi, imaginez toi, libre d'être toi, juste pour un instant, puis dire, « Hey, si je suis réellement moi dans cette situation-là, quelle action je poserais? Qu'est-ce que je ferais? Comment est-ce que je me tiendrais? Qu'est-ce que je porterais? Qu'est-ce que je me permettrais de porter comme couleur, comme vêtement? Quelle activité je me permettrais de faire? À qui je parlerais puis à qui je parlerais moins? Peut-être qu'il y a des choses que tu t'obliges aussi à être, à parler à une personne ou à une autre parce que ça fait partie de ton environnement de travail ou... Mais si toutefois, tu te respectais, là, puis tu disais vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu enfouis en dedans de toi, là? Puis que tu n'oses pas dire ou que tu n'oses pas être. Puis que là, tu te permettrais de sortir ça de toi. De le dire, de être dans l'éclat de ce que tu es. Fais juste imaginer comment tu te sentirais. Comment tu te sens, là? Hey. Écris-moi-les, voir comment tu te sens. Fait qu'est-ce que tu pourrais être et faire pour justement accomplir, être toi réellement, reconnecter avec la puissance, ta lumière, qui tu es réellement. Sortir là, de la boîte, sortir du cadre. Puis, ce que tu as appris, tu l'as appris, puis c'est parfait. Ça t'a amené une discipline, ça t'a amené une force là, de tout ça, là, d'apprendre ces choses-là, de te dire... Ben, rentre dans le cadre. Tu as sûrement développé d'autres capacités, d'autres aptitudes, d'autres choses qui t'ont permis de te connaître davantage. Mais là, maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu es prête à aller revisiter, savoir qu'est-ce qui te convient maintenant? Qu'est-ce que tu choisis pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu choisis de sortir justement de ce cadre-là qui ne te convient plus? Parce que ce qu'on nous a enseigné ou ce que tu as appris dans le conditionnement dans lequel tu as été... puis que tu as grandi, c'était les valeurs, ou peut-être le conditionnement d'un conditionnement d'un conditionnement, de où est-ce que tu étais. On peut-tu mettre une mise à jour aujourd'hui? Refaire un téléchargement de la mise à jour 2.0 pour que tu puisses être toi. Sans peur, sans inquiétude, puis sans stress de savoir si tu vas être en sécurité ou pas. Alors, main au cœur, je dis, moi, mon prénom, moi, Hélène, moi, Sophie, moi, Julie, moi, Robert, moi, Patrick, moi, ton prénom. Je me permets et je m'autorise d'être réellement moi, d'écouter mon intuition et mon feeling.
de reconnaître qui je suis et de me permettre d'être moi. Je me permets aujourd'hui de sortir du cadre et maintenant de voir et d'être dans un univers qui me convient, qui est ma vérité, qui n'est pas la vérité des autres dans lequel on a été dit, ben c'est comme ça que ça se passe, puis c'est comme ça que ça devrait se passer, mais ta vérité à toi. Moi, ton prénom, je m'autorise et je me permets d'être et de rayonner qui je suis. Et de suivre mon intuition, mon feeling, et de reconnaître les synchronicités, de connecter à qui je suis réellement. Wouhou! Oui, tellement! Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que ça te fait vibrer tout ça? Hey, j'ai des frissons à travers le corps, là, juste à en parler, à le dire avec toi aujourd'hui. Je me donne la permission, je m'autorise. Autorise-toi, donne-toi la permission d'être réellement toi dans la pleine lumière de ce que tu es. Aujourd'hui, maintenant, dans l'ère où est-ce qu'on est actuellement, au moment où est-ce que tu écoutes cette vidéo-là, c'est que tu es prête à entendre cette vidéo-là et tu es prête à te donner la permission d'être réellement toi et il n'y a pas de danger. Tu es en sécurité avec ta lumière. C'est maintenant. Choisis-le. Je t'invite à le choisir. Et si tu as peur, ferme tes yeux et imagine-le et revisite l'état dans lequel que tu es. Oh! C'est tellement le fun, ça. Alors, je te dis, si tu as aimé la vidéo, si tu penses que ça rajoute de la valeur pour toi, abonne-toi à ma chaîne, pèse sur le pouce pour m'indiquer que tu as aimé ça, que je puisse créer davantage de vidéos dans ce style-là. Et surtout, pèse sur la cloche pour pouvoir recevoir la notification que je mets d'autres vidéos en publication. Alors, je te dis, reconnecte avec la magie qu'il y a en toi et permets-toi, autorise-toi à être ton rayonnement et ta pleine lumière. Yeah!